Hum, hum, hum. hum, hum, hum. As-salam, As-salam, As-salam les amis. Cher mon Ibrahim Abalde, comment vas-tu Fano Diabi, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs. Alors, partagez-moi ce live. Barry Boubacar, comment, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Chérif Ousmane Diallo, j'espère que vous allez bien. Euh, Algassi Mouba, salut, comment vas-tu? Fatma Jawara, comment allez-vous? Partagez le live. Mose Kamara, comment allez-vous? Balde. partagez le live les amis rapidement. Ibrahim Ba, Mamadou Saliou Kanté, Fama Kanté oui, ça va. Soul de Madrid Ba, comment allez-vous? Partagez le live. Pate Sam, Aboubakar Rams, j'espère que vous allez bien. Voilà. Jallo Richard, Mamadou Jean Balde, il dit bonsoir à vous, monsieur Kanté. Bonsoir. Di Maria Jallo, Aisha Zagor, j'espère que vous allez bien. Paikoun Paris, Paikoun Europe, j'espère que vous allez bien. Jallo Boncoeur, comment allez-vous? Partagez le live. Monsieur Barry, j'espère que vous allez bien. Barry Mamadouri, Djalloba, partagez le live les amis. Nous allons faire une, une réflexion et répondre à certains, à quelques personnes rapidement. Oui, je vais bien, monsieur al Moi, je vais bien. Allah, Dieu merci. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Ibrahim Jallo. J'espère que vous allez bien. Partagez le live, Jallo, bon cœur. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde. Ibrahim balle de Cross. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez le live, les amis. Je veux faire une réflexion rapidement. Ouais. <laughs> Ouais. MSAS Balde. Je comprends, je comprends évidemment le message. Ouais, mais je vais aborder un autre sujet différemment, là. Voilà. Balde à la comment vas-tu, mon cher Alors, les amis, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et chez moi, ici, il est 23h. non, non. Attends, je vais voir. Il est 22h46. Alors, je vais faire une petite réflexion rapidement. Ah, ok. Dieu veille sur toi, Diallo. Excuse-moi, je n'ai pas vu. Voilà. Paul Daniel Koulemou. Il dit quoi Il dit tout le problème guinéen, c'est lui, FDG et ses militants. Bon, voilà. Euh... Monsieur Kanté, on n'arrive plus à comprendre votre combat. Sinon, c'est très mal chez nous, trop d'injustice. Ouais, monsieur, monsieur Moussa Kita, vous allez, voilà, vous allez comprendre, vous allez comprendre. En fait, vous savez, euh, le problème, c'est pas le combat de Monsieur Kanté. Bon, je vais rapidement. Bon, là-dessus. Le problème, c'est pas le combat de M. Kanté. Le problème, justement, vous savez, depuis un certain temps, je me suis inscrit dans, dans cette logique de sensibilisation, constatant effectivement la situation dramatique de notre pays. Et euh, pendant que d'autres continuaient les critiques, euh, voire la farouche vis-à-vis euh, -vis du système, Bon, je me suis dit, bah, écoutez, nous avons combattu euh, le régime d'Alpha Condé, le régime est tombé, nous avons, affaire certainement, nous avons affaire maintenant avec des militaires, des militaires qui viennent nouvellement d'arriver, et donc, euh, écoutez, je vais, je, vais je vais changer un peu mon fusil d'épaule, comme l'a d'ailleurs fait la plupart des hommes politiques et la plupart euh, des communicants. Voilà, même si moi je ne suis pas un communicant d'un dans, dans quelconque parti. Je me suis dit bon, c'est les militaires qui sont venus au pouvoir, je vais je vais changer un peu mon fusil d'épaule. Je vais aller dans le sens de la sensibilisation euh, dans le sens où euh, je vais dire au peuple euh, voilà, il faut accompagner cette transition. Il faut qu'on aide le colonel euh, voilà à vivifier son chemin. Il faut qu'on aille en douceur, en diplomatie. Voilà, c'est c'est ce qui était mal logique depuis l'arrivée du colonel, depuis l'arrivée du CNRD. C'est ce qui était mal logique de fait. Parce que je me suis dit, voilà, si on a combattu le régime d'Alpha Condé et que quelqu'un est venu, il a délogé Alpha Condé, effectivement, je me suis dit, il a délogé Alpha Condé, non seulement pour empêcher le troisième mandat, mais aussi pour essayer de, de soulager un peu les Guinéens. OK alors, je me suis dit, est-ce qu'il faut aller tout, 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 tout de suite avec des, des critiques sévères ou est-ce qu'il faut patienter, est-ce qu'il faut observer la situation, est-ce qu'il faut euh, effectivement analyser d'abord et voir le vent, euh, là où, euh, la direction du vent Voilà. C'est justement par rapport à tout ça, les gens euh, ont fait des critiques par rapport à ma personne en disant, M. Kanté, vous êtes euh, avec le CNRD, non je n'ai je n'ai été, été ni de près ni de loin avec le CNRD. Mais j'avais justement changé mon fusil d'épaule. Je m'étais inscrit dans la sensibilisation et euh, voilà, dans, dans, dans cette approche beaucoup plus diplomatique, beaucoup plus dans la souplesse. Voilà. C'est ce que j'avais entamé. Justement. Et sauf que, sauf que, voilà, je vais faire un autre débat là-dessus. Ça sera certainement demain ou après, demain, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, le, le sujet porte effectivement sur euh, euh, l'UFDG et euh, son président, l'UFDG Lanade et son président, parce que vous savez, euh, aujourd'hui en Guinée, on constate que euh, que ce soit des journalistes ou des personnes, même lambda, okay, de la population, effectivement, qui euh, sortent souvent cette phrase La Guinée, le problème, c'est l'UFDG, ses militants, l'UFDG, son président. Ils disent le problème. Ils disent la Guinée. Le problème, c'est l'UFDG, son président. Alors, la question que moi je pose évidemment à ces gens-là, quand vous dites le problème en Guinée, c'est l'UFDG, c'est que vous avez généralisé, vous avez pris tout le problème guinéen et vous avez adossé euh, effectivement euh, à l'UFDG et à son président. La question qu'il faille se poser là, alors... Avant la création de l'UFDG et de l'ANAD, avant la création de l'UFDG, avant que Sélou ne soit président de l'UFDG, la Guinée avait-il des problèmes ou pas C'est la question que j'ai envie de poser. Avant la création, avant l'entame, euh, avant la lutte, de, la lutte euh, pour avoir le pouvoir, avant cette lutte de l'UFDG et son président, la Guinée, il y avait des problèmes en Guinée ou pas ou bien il n'y en avait pas de problème en Guinée. La Guinée souffrait de l'injustice où la Guinée ne souffrait pas. La Guinée souffrait de la gabégie financière où la Guinée ne souffrait pas. La Guinée souffrait de la corruption où la Guinée ne souffrait pas. La Guinée souffrait de la violation des droits humains où la Guinée ne souffrait pas. La Guinée souffrait des trafics d'influence où la Guinée ne souffrait pas. La Guinée souffrait de la malgouvernance où la Guinée ne souffrait pas. La Guinée avait déjà enregistré des manifestations ou pas. La Guinée souffrait des abus de pouvoir ou pas La Guinée souffrait du mensonge de la manipulation ou pas Voilà des questions que moi je pose à ces gens-là. Quand vous dites aujourd'hui, le problème c'était pas Alpha Condé, c'était alors Céluda ou c'était alors l'UFDG. Mais moi je me demande, avant même l'arrivée d'Alpha Condé, parce que avant que l'UFDG ne soit créé, avant que Selou ne devienne président d'un parti politique, Alpha Condé lui-même, il sortait tout, tous les jours, tout le temps, tout le temps, à chaque fois qu'il avait l'occasion, il sortait chaque fois les mots dont souffrait la Guinée. Les problèmes dont souffrait la Guinée, Alpha Condé, il disait chaque fois. Alpha Condé, tout au long de son combat politique, il déclarait toujours les mots dont souffrait la Guinée. Il faisait comprendre toujours, effectivement, les mots dont souffrait la Guinée. Et lui, il est venu, il a été incapable de trouver les, les remèdes de ces mots-là. Il n'a fait qu'amplifier. Alors que vous arrêtez, vous arrêtez de tromper le peuple, ou certainement, vous, vous avez commencé vos analyses politiques justement à l'arrivée d'Alpha Condé, hein? ou a, a, avant Alpha Condé, vous, vous ne, vous ne réfléchissez pas sur la situation guinéenne, vous n'étiez pas conscient de la situation guinéenne. C'est certainement ça. Parce qu'il faut être quand même une, une personne de mauvaise foi. C'est ce que je dis. Je dis, moi, je ne suis militant, sympathisant d'aucun parti politique. Mais il y a des choses qui ne passent pas chez moi. Il faut certainement être une personne de mauvaise foi pour dire le problème guinéen, c'est l'UFDG et ses militants. Il faut être une personne qui a refusé complètement de réfléchir sur la situation sociopolitique de la Guinée euh, sous l'ère de, de Lansana Conté, sous l'ère d'Ahmed Sectouré, sous l'ère d'Alpha Condé, pour dire qu'en Guinée, le problème, le problème de la Guinée, c'est l'UFDG et ses militants. Il faut être quand même malhonnête pour avouer, pour, pour parler comme ça là. Moi je me dis, écoutez. Il y a des enfants qui supportent aujourd'hui ce parti. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui militants sympathisants de ce parti. La plupart même sont... Il y a des enfants qui sont nés dans les années 2000. Dans les années 2000, ils, sont... ils ont quel âge aujourd'hui 22 ans. 2002, là, ils ont, ils ont quel âge aujourd'hui Ils ont 20 ans. D'accord Ces enfants-là, ils ont commencé la politique quand Ils ont commencé à se battre pour un parti quand Il faut qu'on soit cohérent. Le véritable problème de la Guinée... Ce n'est pas un parti politique. Le véritable problème de la Guinée est très loin de l'UFDG de l'ANAD et son président. Le véritable problème de la Guinée, c'est le système gouvernemental guinéen. Vous voulez que je vous explique cela combien de fois Le problème guinéen, c'est le problème administratif. C'est le système de gouvernance qui est là. Et c'est ce même système qui est en train d'engloutir aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya. C'est ce même système qui est en train d'avaler aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya. Vous demandez aujourd'hui n'importe qui en Guinée, il vous dira, le colonel, à son arrivée, il était une personne de bonne foi. Pourquoi on ne dit plus que le colonel, il est toujours une personne de bonne foi On se dit effectivement qu'il s'est fait entourer par des personnes qui n'aiment pas la Guinée. C'est ce système-là qui est en train de le bouffer. Ce n'est pas un parti politique le problème guinéen. Non. Alpha Condé, le RPG Arc-en-Ciel aussi, a souffert du même problème. Vous comprenez De la création du RPG Arc-en-Ciel, de toutes les élections que le RPG Arc-en-Ciel a participé sous l'ère de Lansana Conté jusqu'à la mort de Lansana Conté, le RPG Arc-en-Ciel a souffert aussi des mêmes mots, des mêmes réalités, du même système administratif. Et le RPJ Arc-en-Ciel est venu au pouvoir, le RPJ Arc-en-Ciel n'a pas su remédier, n'a pas su éradiquer effectivement cette mauvaise gouvernance. Bien évidemment, le RPJ a composé avec le même système. Et c'est le même système qui a avalé Alpha Condé. Alors, chers amis, c'est ce système-là qui est en train aujourd'hui d'avaler le colonel Mamadi Doumbouya. Colonel Mamadi Doumbouya n'est plus le même colonel que les Guinéens ont connu le 5 septembre. Non. Il y a une potentialité de différence entre le militaire qui a pris les armes avec sa troupe, qui est allé déloger Alpha Condé, et le militaire qui est aujourd'hui à la tête de la République de Guinée. Le militaire qui fait des décrets, qui fait des nominations dix jours et puis qui, qui démet ses fonctionnaires-là de leur fonction. Il y a une potentialité de différence entre ce militaire euh, du, 5, du 5 septembre et le militaire d'aujourd'hui. Le militaire d'aujourd'hui, il est entouré aujourd'hui par des civils malhonnêtes. C'est civils qui sont habitués du système, les habitués du système, ceux qui connaissent les rouages du métier. D'accord les amis. Donc ceux qui disent que dans leur allocution le problème guinéen c'est lui FDG et l'ANAD et leur président, je me dis vous vous venez de naître. Et quand je dis vous venez de naître, c'est pas parce que vous avez 100 ans, hein, que je me fous de votre gueule, non. Si vous avez 100 ans, que vous affirmez des choses pareilles là, c'est que votre conscience intellectuelle vient de naître. Vient de commencer à faire des analyses sur la situation euh, sociopolitique de notre pays. Sinon, il faut quand même être une personne de mauvaise foi pour dire que le problème guinéen, c'est lui FDG et son président et ses militants. Ce n'est pas possible ça. Le problème guinéen, je vous dis encore, le problème guinéen, c'est le système administratif. Et ce système-là, est, il est là. Depuis des décennies, le système-là est là. On n'arrive pas à éradiquer, on n'arrive pas à changer. Le colonel est venu avec sa bonne volonté. Aujourd'hui, il se fait bouffer par le même système. Il ne se rend pas compte. On l'a conseillé, 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 conseillé. Il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre. Parce que ces gens qui sont là, là, ce sont des démons. Ces gens qui sont là, là, ce sont des satans. Ces gens qui sont là là, ils travaillent avec des féticheurs. Ces gens qui sont là là, ils, sont, ils ont fini complètement par, par, par salir le colonel Madi Doumbouya. C'est mafieux qui l'entourent là. C'est malhonnêtes qui l'entourent là, mesdames et messieurs. C'est ça le problème guinéen. C'est pas un quelconque parti politique. Ce sont des faux types qui sont venus auprès de lui en disant nous allons vous aider. Ce sont ces malhonnêtes là. Mesdames et messieurs, il faut que vous compreniez cela. La situation aujourd'hui en Guinée, je vous le dis, la situation aujourd'hui en Guinée, c'est une situation critique. Très critique. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Et donc, il faut que le colonel se réveille. Il faut qu'il se réveille, faut qu il faut qu'il comprenne qu'il n'est plus en sécurité. Quand je dis en sécurité, il n'est plus en sécurité spirituellement, mentalement. Oui, il est gardé pharaoniquement par des militaires, mais spirituellement et mentalement, on est en train de le bouffer. Et c'est là le véritable problème. On ne peut pas comprendre. Mesdames et messieurs, il y a des révélations maintenant en Guinée, mais c'est scandaleux ça. C'est scandaleux quand vous écoutez certaines personnes proches du palais Mohamed Cinq là, mais c'est scandaleux. La manière dont les nominations se font. La manière dont on forme les décrets, la manière dont les gens viennent là autour du colonel, la manière dont on fait les choix. Mais c'est scandaleux, mesdames et messieurs. Quand est-ce que ce pays-là va sortir de cet enfer Quand est-ce Hein Quand est-ce, mesdames et messieurs Il faut qu'on fasse une prise de conscience. Quand on dit prise de conscience, ceux qui sont autour du colonel-là, ces malhonnêtes-là, ils ne peuvent pas faire prise de conscience parce que là, ils bouffent de l'argent. Ils volent de l'argent de l'État. Et il faut qu'on tape fort. Il faut qu'on parle. Il n'est pas trop tard, mon cher Abdoulaye Ba. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Dans la gestion d'un pays, il n'est jamais trop tard. Vous savez, l'État est continuel. C'est nous, les hommes, nous sommes appelés à mourir. La vie d'un homme va de zéro à cent, mais celle d'un peuple va de zéro à l'infini. L'État est continuel. On dit aujourd'hui, le colonel, c'est notre espoir, c'est notre unique espoir. Non, le colonel, c'est vrai, c'est l'unique espoir pour la transition qui est là, là. Mais vous devez savoir que même après lui, quelqu'un viendra assumer. C'est comme ça, c'est comme une équipe de football. On a beau parler de Ronaldinho, Ronaldinho, Barcelone, on dit, ben, on s'inquiétait quand, le jour qu'il va partir, qu'est-ce, on a vu Messi on a beau parler de Messi, Messi est parti, le Barça, bon, ça souffre, ça, il y a eu la souffrance à un moment donné, mais là, là, Xavi est en train de réparer les, les dégâts. C'est comme ça aussi. C'est comme ça, mesdames et messieurs. Après le colonel, il y aura quelqu'un qui va prendre le flambeau. Il y a tellement d'hommes forts en Guinée qui peuvent assumer mais c'est qui est le problème, mesdames et messieurs, c'est qui est le problème. Ces hommes qui peuvent assumer là, à chaque fois qu'ils viendront composer avec le système, ils se feront bouffer par le système. Et on va toujours tourner en rond. C'est cela, le véritable problème guinéen. Il ne s'agit pas d'accuser un parti politique, un parti quelconque. Moi, je n'avale pas cela. Je n'avale pas cela, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays-là Qu'est-ce qui ne va pas Y a-t-il pas un mauvais sort sur ce pays Que quand les gens viennent et ils sont à la tête de l'État, qu'ils n'arrivent plus à comprendre. On n'arrive plus, à les, on arrive, on arrive plus à, les, à les cerner. On n'arrive on arrive plus à les comprendre. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi les autres pays, les autres progressent, les autres avancent Nous, en Guinée, on ne fait que reculer. On ne fait que tourner en rond. Pourquoi cela Chers amis. Et il faut qu'on trouve quelqu'un euh, pour endosser cette responsabilité. Oh non, c'est Oh non, ce sont les militants de Serouda Lengialo. Avant Serouda Lengialo. Avant les militants de Serouda Njalo. Il n'y avait pas ce problème en Guinée. Il y en avait. On a connu la grève du 22 janvier 2007. Qu'est-ce qui a poussé les Guinéens à descendre dans la rue Ça, c'était sous toute l'étendue du territoire. Ce qui a poussé les gens à descendre dans la rue... C'est la famine, la pauvreté, le chômage, la malgouvernance, la corruption, le vol des deniers publics, les trafics d'influence, les abus de pouvoir. Ce sont, ce sont ces pratiques qui ont poussé les Guinéens à descendre dans la rue. Et là, ça c'était 2006-2007. L'UFDG n'était pas encore euh, 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 un parti qui combattait ce système de l'ancien à compter. Non. Bien évidemment. C'est de... et on, on venait de le démettre de ses fonctions en 2006. Est-ce que c'est les militants de l'UFDG qui se battaient dans la rue en ce moment? Est-ce que ce sont les militants de l'UFDG qui sont sortis le, le 22 janvier 2007 pour venir effectivement euh, 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 faire la manifestation, la, la, la grève générale? Attendez. Ça blague plus sur cette page-là, c'est fini. Voilà. Tu veux raconter des conneries, je t'enlève, ça c'est fini. Ça, c'est fini, hein? <laughs> voilà. Alors, les amis, je ne vais pas abuser de votre temps. Et euh, on va continuer. Parce que j'ai l'impression qu'on parle, on parle, on parle. Les gens nous disent oui, nous avons compris, oui, nous avons compris. Mais en réalité, ils n'ont rien compris. Quand je dis les gens, je parle de ceux qui sont à la tête de l'État. Quand on les parle, ils disent ok, on a compris. Mais en réalité, ça rentre. Mais ce qu'ils ont envie de faire, ils font cela. Ils font cela. Qui est-ce qui m'appelle là Allô Oui, bonsoir. Je suis en direct là. Je vous rappelle dès que je finis là, s'il vous plaît. Hein? Oui. Alors, les amis, écoutez, il faudrait pas qu'on fasse avaler cela aux Guinéens pour dire que le problème guinéen, c'est l'UFDG, ses militants. C'est faux et archi faux. Tous ceux qui essayent de, de raconter ça ou de faire avaler cela au peuple, c'est faux et archi-faux. C'est la même chose qu'on disait sous le régime d'Alpha Condé. On a fait croire aux Guinéens que le véritable problème de la Guinée, c'était celui Lengelo. N'est-ce pas Alpha Condé, il a fait croire cela aux gens. Et bien sûr, il a dit ça à ses militants sympathisants. Et il y a des militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel qui, qui ont confirmé. Qui ont dit que oui, euh, voilà, dans leur siège, on leur disait toujours que le problème guinéen, c'était les militants de l'UFDG, c'était le, le président de l'UFDG. Évidemment, c'est ce qu'on disait. Mais après, quelques, après, ces quelques militants se sont posés des belles questions en disant oui, à chaque fois on accuse les militants de l'UFDG et de l'ANAD. Mais nous autres, militants du RPG arc en qui nous sommes Qu'est-ce que nous faisons Nous, nos cadres qui sont là, là, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Bon, monsieur, je crois que toi, tu vas partir. Ça, c'est fini. On ne pagaille plus sur ma page. Tu dis des conneries, je te bloque et puis c'est fini. Donc, chers amis, écoutez, nous allons continuer notre trajectoire. Je crois que j'ai déjà eu ma dose. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, je ne juge personne par les ondits. D'accord? Je ne juge personne. C'est pourquoi les gens m'ont dit, M. Kanté, oui, le colonel a fait ceci il fait ceci. Je dis, OK. Je, re je suis resté à l'écoute. On me dit, oh, M. Kanté, c'est comme ça, ça, ça se passe aujourd'hui. Je suis resté à l'écoute. Je suis resté à l'écoute. Je me suis dit, je ne vais pas me fuyer sur les ondits pour eff effectivement juger quelqu'un. Non. Ou pour effectivement juger un président. Non, non, non. non. Moi-même, je vais toucher du doigt, effectivement, le problème. Oui, je vais faire le constat moi-même. Et quand je ferai le constat, que je me rendrai compte de l'évidence, ben, écoutez, ça ne va pas m'empêcher de faire ce que j'ai l'habitude de faire. D'accord? C'est moi qui me suis dit, ben, écoutez, voilà, c'est les militaires qui sont venus et Alpha Condé est parti. Nous allons essayer d'aller en diplomatie avec ces militaires. Nous allons essayer de les sensibiliser. Je vais essayer de sensibiliser le peuple afin qu'on puisse accompagner la transition pour que tout se passe bien. On m'a raconté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vous dis, villa, on m'a raconté beaucoup de choses. Même ces administrateurs, ils m'ont racont raconté beaucoup de choses. J'ai entendu, j'ai entendu beaucoup de choses. Mais moi-même, j'ai fait mon constat. Oui, j'ai fait mon constat. Et j'ai déjà pris ma position. Vous comprenez, chers amis Ma position, elle est déjà prise. D'accord Et je sais très bien que ces gens qui m'écoutent, d'accord C'est quelques administrateurs qui m'écoutent. Ils savent déjà qui je suis. Je ne juge personne parce que tel m'a dit telle chose. Non, non. Mais, tout ce que je n'accepte pas dans ma vie, qu'on se foute de ma gueule. Et non je suis quelqu'un qui est très patient. Je peux patienter, je peux te regarder, tu peux faire tout ce que tu veux faire. Je peux t'accorder le bénéfice du doute, tout ça là. Je peux t'accorder même plus le bénéfice du doute, tout ça, afin d'avoir effectivement des preuves réelles. Que le jour que je vais commencer à te framponner, que tu ne puisses plus dire "Eh monsieur Kanté, écoutez, c'est ça, c'est ça." Non 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 non. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Donc chers amis, restons cool. Nous avons essayé de bien faire les choses. D'accord Mais ça ne marchera pas. Bon, écoute, lui aussi, il va dire au revoir à cette page. Voilà, ça c'est fini. Donc, euh, à demain, Inch'Allah. Et c'était justement. Non, l'eau ne monte pas. Moi, je suis toujours tranquille c'est que j'avais déjà pris j'avais pris une position une position euh, de, de de diplomate une position euh, de sensibilisateur du peuple afin d'accompagner le CNRD j'avais pris cette position là pour ne pas vous mentir d'accord je me, je habillé dans, je me, j'avais déjà pris cette peau là. Je dis bon, écoute, Kanté, euh, voilà, on va essayer de faire autrement. On va essayer d'aller euh, dans la diplomatie, à sensibiliser le peuple, parce que euh, avec le gars qui est venu, nous voyons une sincérité de sa part de bien faire les choses et d'organiser les élections. Quitter, mais euh, bon, le constat est amer. D'accord Ce constat, le constat que j'ai fait, c'est un constat très amer. Et ça, je prends toujours ma peau. Vous savez, je ne dirais pas que je suis un caméléon, non. Mais j'ai mille réflexions, j'ai mille manières de réfléchir, j'ai mille manières de mener aussi le combat. J'ai plusieurs stratégies. C'est pourquoi on dit, un homme politique, il ne faut jamais manquer de stratégie. La stratégie ne manque pas. Si tu vas souvent avec la, la violence, ça ne marche pas. Va aussi avec la douceur, ça ne marche pas. Va à la diplomatie, ça ne marche pas. Il y a aussi autre moyen. C'est comme des militaires. Un général ne doit jamais manquer de stratégie. Il faut toujours être créatif et inventif. Et il faut avoir un esprit de créativité et d'inventivité. Pouvant te permettre de t'en te, de, de, de sortir, quel que soit. Euh, okay, quelle que soit la situation et quelles que soient les conditions, il faut toujours avoir des réserves, il faut toujours avoir des stratégies. D'accord On dit, mieux vaut tard que jamais. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous laisser, je ne vais pas abuser de votre temps. Écoutez, vous tous, vous qui dites que le problème c'est l'UFDG et l'ANAD, je dis que vous êtes complètement, complètement à côté de la plaque. Parce que moi, j'ai connu la Guinée avant la création de l'UFDG et de l'ANAD. Vous comprenez? Et je suis bien, je suis bien conscient de la situation sociopolitique de la Guinée avant la création de l'UFDG et de l'ANAD. Je sais très bien dans quelles conditions la Guinée était avant même que les militants de l'UFDG et de l'ANAD ne commencent le combat. Vous comprenez? Voilà. On dit souvent que c'est M. Bamamadou qui a créé ce parti. Ah, donc, ceux qui ont connu Bamamadou ont connu alors Lance en a compté. Ceux qui ont connu Bamamadou, ils ont connu euh, euh, Jean-Marie Doré. D'accord Ils ont connu ces leaders anciens-là. Donc, ceux qui ont connu ces gens-là et qui sont conscients de la situation sociopolitique de notre État d'alors ne peuvent pas dire aujourd'hui que le problème guinéen, c'est l'UFDG et l'ANADE. C'est là. <laughs> Je vous ai dit, il y a trop de... Il fallait encore. Il fallait encore que quelqu'un... Euh, un petit live comme ça, que quelqu'un s'attaque à cela. Je me demande, ça sert à quoi Ça sert à quoi Tu vas signaler un petit live comme ça, là. Ça sert à quoi hein? Donc, chers amis, restez cool. Euh, le me reste à venir. Vous savez, euh, on dit souvent que la patience euh, est un chemin d'or. Effectivement, il faut patienter. Et euh, le jour que tu vas te réveiller que les gens comprennent effectivement ta position. C'est ce qui est intéressant. D'accord Donc sur ce, je vous dis bonsoir. À demain, Inch'Allah. Merci. Bye bye.